Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Vous êtes la gardienne? Je suis la gardienne. Vous gardez pas des moutons? Non, on n'est pas des moutons, ils ne vont pas être. Et croyez-moi, dès qu'on arrive au refuge, vous serez bien accueillis comme au temps de Bernard, avec sa fille d'ailleurs, Violaine. Regardez, qui prépare le repas. Ça a l'air très sympa. Et puis Laetitia. Bonjour. Il fait bon arriver dans un refuge quand il y a du vent dehors. Hein. Eh bien, bien sûr. Et puis aujourd'hui, avec tout ce sable, mais il y en a moins que de l'autre côté, sur l'autre versant. Ah, c'est pas faux. Voilà. Merci de votre accueil. Merci à vous. Alors en fait, la balade démarre ici, là où il y a le parking de la Côte d'Em, où on laisse ses voitures, et c'est de là qu'on démarre le départ de la balade pour le refuge de la Balme. Avec le Roignet en fond. Là, il y a eu un gros éboulis cet hiver.
elle éclairait mes jours. Je réchaufferai ses nuits. Petite fleur, je t'adore. Je t'aimerai demain plus fort. Petite fleur, je t'adore. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Petite fleur, je t'adore. Je t'aimerai demain plus fort. Petite fleur, je t'adore. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Il y a l'orage qui se prépare, on va descendre. Et puis vite même. C'est tout qui a du vent. Et alors, quand vous montez au refuge de la Balme, eh bien, vous vous posez tous des questions sur ces chèvres en bois. Ah bon? Eh bien, vous devez bien vous demander qu'est-ce qui a bien pu faire ça. Ben, voyez, vous l'avez en face de vous. Bon. Et il s'appelle Bruno Barral. Et il a accepté que je le filme. Et croyez-moi, il vit tranquille dans son petit chalet magnifique. Tranquille. 5 mois ici. Pardon? 5 mois. 5 mois. L'été. Merci, Bruno. Ça a décollé. Je vais prendre également.